nothingless than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Oh, Christ is only rock and stone. Lisons seulement l'écriture et puis nous allons nous asseoir. We'll read in Matthew chapter 25. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 25, verse 1 to 13. Verset 1 à 13. And then Luke 12, 37 to 40. Et Luc 12, 37 à 40. Okay, I'll read to go quickly. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them. But the wise took oil in their vessel with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all the virgins arose and trimmed their lamps, and the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather unto them that sell, and buy for yourself. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in to be with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Luke 12:37. Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. And this know, that if the good man of the house had known what hour the thief would come, he would have watched, and not have suffered his house to be broken through. But be therefore ready also, for the Son of Man cometh at the hour when you think not. Amen. Amen. Let's pray. Prions. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. For the service. Pour le service. We thank you. Te remercions. From the start. Depuis le commencement. We can see your Holy Spirit moving through. Nous pouvons voir ton Saint-Esprit en train de te mouvoir. Thank you for every part of the service. Merci pour chaque partie du service. Thank you for Brother Sam that's being rebaptized. Nous te remercions pour le frère Samuel qui a été rebaptisé. And we thank you for the songs that we sang. Nous te remercions pour les chansons que nous avons chantées. And we thank you for your presence in our midst. Nous te remercions pour ta présence parmi nous. Now we commit this last part of the service in your hands. Dans nous remettons la dernière partie du service entre tes mains. We commit all to you. Te remettons tout. In Jesus' name, dans amen. Dans le nom de Jésus, amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. We're just gonna talk just a little bit. Nous allons parler juste un tout petit peu. And when a minister say a little bit, quand vous savez quand un ministre dit un tout petit peu, it means something else. Ça veut dire quelque chose d'autre. We'll try not to be long. Nous allons essayer de ne pas être long.
And God willing, as the pastor said, this is my last service with you. Dieu voulant, comme le pasteur l'a dit, c'est mon dernier service avec vous. So God's willing, we'll be leaving during the week. Dieu voulant, nous serons en train de partir la semaine prochaine. So if I don't get a chance to see you again, et si je n'ai plus la chance de vous revoir, may the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. It was a pleasure to serve you. C'était un plaisir de vous servir. I've been blessed. J'ai été béni. And you were blessed. Vous étiez béni. And we were all blessed. Nous étions tous bénis. So we thank the Lord for that. Et nous remercions le Seigneur pour cela. And God bless you throughout the year. Que Dieu vous bénisse à travers l'année. May He prosper you. Qu'il vous fasse prospérer. And open all the doors. Et qu'il ouvre toutes les portes pour vous. And as we spoke about Joseph. Alors. Brother Branham also just preached about it. Alors que nous avions parlé de Joseph et frère Branham aussi a prêché là-dessus. The Bible says, la Bible dit, whatever he touched, tout ce que Joseph touchait, prospérait. May that be what God will do with you. Que cela soit ce que Dieu fera avec vous. Whatever you will touch, tout ce que vous allez toucher, may it prosper. Que ça prospère. Amen. 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 Thank you very much. Merci beaucoup. This little minute here, avec quelques minutes ici, I wanted to speak on are you ready? Je voudrais parler sur êtes-vous prêt? Are you ready? Êtes-vous prêt? We are living in the end time as we believe. Nous vivons au temps de la fin comme nous tous nous le croyons. And we are expecting the rapture. Et nous attendons à l'enlèvement. And it's closer than we ever thought. Et c'est plus proche que nous l'avions jamais pensé. And the more we are progressing, et plus nous nous approchons, the closer we are getting to the rapture. Et plus proche nous arrivons à l'enlèvement. To the body change. Au changement du corps. And you need to be ready for that. Et vous devez être prêt pour cela. And we read in Matthew 25. Nous allons le lire dans Matthieu chapitre 25. And that's where I took my little subject. C'est là où j'ai pris mon petit sujet. The Bible says, la Bible dit, while they went, verse 10, verset 10, while they went to buy, pendant qu'elles allaient en acheter, the bridegroom came, le époux arriva, and they that were ready, celles qui étaient prêtes, went in to the marriage, entrèrent avec lui dans la salle des those noces, that were ready, celles qui étaient prêtes, went into the marriage supper, entrèrent avec lui dans la salle and des the noces, door was shut. Et la porte fut fermée. Amen. Amen. So God is not waiting on you. Alors Dieu ne vous attend pas. But you are waiting on him. Et vous vous attendez because à lui. He's the one that have the key. Parce que c'est celui qui a la clé. It's like when you are flying. C'est comme quand vous volez. The pilot does not wait for you. Le pilote ne vous attend pas. Because he has a time. Parce qu'il a déjà son programme, that son the plane temps. Is on the ground. Et quand l'avion est encore sur le tarmac, that's the time that is given you. C'est le temps qu'on vous a donné. But if you don't come, et si vous ne venez pas, according to the pilot's timing, selon le plan, la planification du pilote, you stay. Vous allez rester. Amen. Amen. You stay. Vous allez rester. Then when you stay, alors quand vous restez, it's the people on the ground, ce sont les gens par terre qui sont that finds your solution. Qui vont vous trouver une solution the pour pilot vous. Is already gone. Le pilote est déjà parti. Amen. Amen. So today, alors aujourd'hui, as we are waiting for the rapture, alors que nous attendons l'enlèvement, are you ready for it? Êtes-vous vraiment prêt pour cela? You need to be qualified to go to the rapture. Vous devez être qualifié pour aller dans l'enlèvement. Without that qualification, you will not make it. Sans cette qualification, vous n'allez pas y arriver. And we spoke it throughout the meetings. Nous avons parlé là-dessus pendant les réunions. The prophet says. Le prophète dit. Only those who have the Holy Ghost. Seulement ceux qui ont le Saint-Esprit. Will make it to the rapture. Vont y arriver. Not those that go to church. Pas ceux-là qui vont à l'église. Not those that sing. Pas ceux-là qui chantent. Not those that manifest love. Pas ceux qui manifestent une sorte d'amour. Without the Holy Ghost. Parce que sans le Saint-Esprit, you can manifest some kind of love. Vous pouvez manifester une sorte d'amour. You can be nice. Vous pouvez être un bon type. But the Holy Ghost. Mais le Saint-Esprit has the true love of God. A le véritable amour de Dieu. So without it, you won't be ready to make alors sans cela, vous ne serez pas à mesure de le faire. And here we see 10 virgins.
Ici, nous voyons 10 vierges. They were all waiting for the bridegroom to Elles come. Attendaient tous que le pouls vienne. But the Bible were clear Et, mais la Bible était Jesus claire prophecy dans la prophétie de Jésus parables, ou dans la parabole. He says five were foolish, il dit 5 étaient folles and five were wise. Et 5 autres étaient sages. When he said they were foolish, Alors, quand on dit qu'elles étaient folles, it's not that they were crazy. Ce n'est pas parce qu'elles étaient vraiment insensées. That's ou, not what it means. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Foolishness that they're talking about La here, folie dont on parle ici, it's the attitude c'est leur attitude that they presented qu'elles ont présentée in that season. Pendant cette saison. And that attitude, cette attitude, it was the attitude of negligence c'était l'attitude de la négligence that they manifested. Qu'elles ont manifestée. That foolishness. C'est la folie. Amen. Amen. The plane is about to go. L'avion est sur le point de the partir. The plane will leave at 10 a.m. L'avion va partir à 10h du matin. But at 9:30, mais à 9h30, you are at home. Toi, tu es encore à la maison. Are you traveling? Tu voyages ou pas? Yes, I'm going. Oui, je voyage. I got my ticket. Oh, j'ai mon ticket. I got everything. J'ai tout ce qu'il faut. But I'm going to go. Mais je vais partir. That negligence. C'est ça la négligence. Amen. Amen. So that's what they call foolishness. C'est ce qu'on appelle la folie. And the Bible says, Et la Bible dit, in the end time, à la fin de temps, there will come people, il viendra des gens. That's 2 Peter chapter 3. 2 Pierre chapitre 3. The Bible says, La Bible dit, knowing this first, sachant ceci, that they shall come in the last days, qu'il viendra de dernier temps, scoffers, les moqueurs, walking after their own lust, avec leur raillerie, marchant selon leur propre bâtisse, disant, where is the promise of his coming? Où est la promesse de son avènement? Those that will be in the last days, ceux qui seront dans les derniers jours, people who will have an attitude, les gens qui auront l'attitude of mockery, de la moquerie, of scoffers, de moqueurs, they will walk after their own lust. Ils marcheront selon leur propre convoitise. So they will be proud of themselves. Ils seront fiers d'eux-mêmes. If they are asking, where is the promise of his coming, s'ils demandent où est la promesse de son avènement, that means they know that he has to come. Ça veut dire qu'ils savent qu'il va venir. They understand there is a coming. Ils comprennent qu'il y a une venue. But because it took long, mais puisque ça a pris beaucoup de temps, now they are questioning the coming. Maintenant ils questionnent, ils doutent de la venue. Where is the coming? Mais où est alors la venue? Since they told us depuis qu'on come, nous a dit qu'il allait venir, forget about it. Oubliez ça. Let's do our own thing. Faisons ce que nous faut. That will be an attitude in the last ça sera l'attitude dans les derniers jours. And the Bible said Et about many dit, things that will happen in the last days. Parlons de beaucoup de choses qui vont arriver dans les derniers jours. So Jesus here, alors Jésus ici is now telling us, nous dit, there was wise virgin, il y avait des vierges and sages foolish virgin. Et folles. All of them had one purpose. Toutes avaient le même objectif. It was to meet the bridegroom. C'était pour rencontrer l'époux. But as they were waiting, mais pendant qu'elles attendaient, there were things they were supposed to have. Il y avait des choses qu'elles étaient censées recevoir. They needed to have the lamps. Elles devaient avoir des lampes. And in the lamps, et dans leurs lampes, they needed to have oil in elles them. Elles devaient avoir de l'huile. Amen. Amen. And the lamps, et les lampes, représentent la parole de Dieu. The Bible says, et la Bible dit, the Bible says, la Bible dit, it was in the book of Psalm, I just forget, je crois que c'était dans le livre de Psaume, j'ai oublié le verset. David, he's saying, he's comparing the lamps and the word. Compare les lampes, la lampe et la parole. And the oil, et l'huile, represent the Holy Ghost. Représente le Saint-Esprit. So you need the word. Alors vous avez besoin de la parole. To guide you pour in the darkness, dans les ténèbres. And you need the Holy Spirit. Et vous avez besoin du Saint-Esprit. To give you strength, pour vous donner la as force. As you are walking in darkness. Pendant que vous marchez dans l'obscurité. So you need the two things. Vous avez besoin de toutes les deux and choses. Now, alors maintenant, the foolish virgin, les vierges folles, this is where their folly actually was manifested. C'est ici que leur folie était manifestée. In the darkness, dans l'obscurité. You have the word, vous avez la parole. The Bible, vous avez la Bible. But where is the oil? Mais où est l'huile? So they neglected the oil. Elles ont négligé l'huile. Well, I read my Bible oh, je lis every ma Bible day. Tout le jour. I read my Bible. Ah, mais je lis ma Bible. I read the message. Je lis le message. It is good. Oui, c'est bien. But who gives you the answer? The standing of that Bible. Mais qui te donne la compréhension de cette Bible? It's the Holy Ghost. C'est le Saint-Esprit that gives you the understanding. Qui vous donne la compréhension. So without the Holy Alors, Ghost, sans le Saint-Esprit, which is the oil, qui est l'huile, you will never understand the Vous ne comprendrez jamais la parole. And the other thing that the oil does. Alors l'autre chose que l'huile fait. When you put oil in your car engine. Quand vous mettez l'huile dans votre moteur. The engine alors, votre is moteur made out of metals. Est fait de métaux.
metal by themselves. Par eux-mêmes. When the engine is turning, quand le moteur tourne, it becomes hot. Ça devient chaud. And ça prend de la chaleur. The engine become hot, et quand le moteur se chauffe, the metal expand. Alors le métal se dissipe. Under the heat. Sous la chaleur. Now the reason they put oil. Alors la raison pour laquelle on ajoute de l'huile, the engine is hot, c'est quand le moteur prend se réchauffe. It keeps the metal to move together. Alors ça fait que le moteur puisse marcher ensemble. It becomes smooth. Ça devient un peu plus doux. That's what the Holy Ghost c'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie chrétienne. As we are going together, alors que nous allons tous ensemble, as we are walking alors in que this nous darkness, marchons dans ces ténèbres, we all have different attitudes, nous avons tous des différentes attitudes, different backgrounds, des passés différents, different language, des langues different différentes, food, des nourritures différentes, all sort of things, et toutes sortes de choses. Now to remain together, alors pour rester ensemble, we need the Holy Ghost, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors l'huile, to make it smooth, pour rendre cela un peu doux, as we are moving together, pendant que nous marchons ensemble. That's why we need oil. C'est pourquoi nous avons besoin de l'huile. The foolish virgin, mais les vierges folles, elles ont réalisé, without the Holy Ghost, sans le Saint-Esprit, without oil, sans l'huile, we can make it. Nous pouvons y arriver. That's why things became difficult for voilà them. Pourquoi les choses se sont endurées pour without eux. Oil, sans l'huile, your engine will blow up. Votre moteur va s'éclater. Without the Holy Ghost, sans le Saint-Esprit, the church will break in pieces. L'église va se disloquer. The Holy Ghost keeps us together. Le Saint-Esprit nous rapproche ensemble pendant que nous avançons. So these five foolish, alors ces cinq folles, they neglected, elles ont négligé the importance of oil, l'importance de l'huile. That's why when the night came, alors maintenant quand la nuit est arrivée, they waited for a long time, elles ont attendu pour beaucoup de temps. And the Bible says, et la Bible dit, they got tired, elles se sont fatiguées, and they fall asleep. Elles sont allées dormir. But as they were sleeping, et pendant qu'elles dormaient, they forgot, elles ont oublié that it was dark, que c'était la nuit. It was the evening time. C'était le temps du soir. But the wise virgin, alors des vierges sages, as they went to sleep, pendant qu'elles sont allées they dormir, had their oil with them. Elles avaient de l'huile avec the elles. Lamp were trimmed, leur lampe était remplie because d'huile. It was dark. Parce que c'était ténébreux. And in the middle of the night, au milieu de la nuit, the cry came, la voix est sortie. Behold the bridegroom. Voici l'époux. Go to meet him. Allez à sa rencontre. How can you see in the darkness? Comment vous pouvez voir dans les without ténèbres? The lamp. Sans la lampe. Without the oil. Sans l'huile. But when they arose, alors quand ils se sont réveillés, the wise, les sages, had the lamp with them, avaient des lampes avec and elles. They did not see who made the voice. Elles n'avaient pas entendu les cris. No, no, they did not see who made the cry. Elles n'ont pas vu la personne qui criait. But they were following the direction of the voice. Elles suivaient la direction de la voix. They were following where the voice came from. Elles suivaient de où est-ce que sortait la voix. Now, in that darkness, maintenant dans cette obscurité, you can't really see properly, vous ne pouvez même pas voir très bien. Your lamp are trimmed. À moins que votre lampe soit remplie in d'huile. Dans cet âge de l'Odyssée, the most darkest age, l'âge le plus en the ténébreux, says, le prophète dit, all the demons, tous les démons from Genesis, de la Genèse, they are all came today, ils sont tous venus aujourd'hui to fight the brother Jesus Christ, pour combattre l'épouse de Jésus-Christ. That's why it's so difficult voilà to pray. Pourquoi c'est difficile de prier. That's why it's difficult to read. Voilà pourquoi c'est difficile de lire. Because all the demons, parce que tous les démons are focusing on you, se sont concentrés because sur vous. This is their last chance. Parce que c'est leur dernière the chance. Bible says, la Bible dit, the devil le diable sait he has just a short time, qu'il a un temps court. And he came, il est venu with such wrath, avec une force. Because terrible. He knows, parce qu'il I'm sait, going to do my last job, je vais faire mon dernier and travail, I will destroy without mercy, et je vais détruire sans pitié. If he's fighting without mercy, et si c'est pas sans you pitié, have to know where you stand. Vous devez seulement savoir où that's vous tenez. Why family crumbling. Voilà pourquoi les familles there se disloquent. There is believers jumping left to right. Il y a des croyants qui people sautent de gauche à droite. Are backsliding from les nothing. Gens se rétrogradent même there pour rien. There is all sort of things happening. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Because he is merciless. Parce qu'il est sans pitié. No mercy. Il n'a pas de pitié. Because he's going to strike whoever he finds in his way. Parce qu'il va frapper là où tout ce qu'il va trouver sur and son chemin. And the believer, alors le croyant, your only
way of surviving votre in this seule time voie pour survivre is dans cet your âge, lamp and your oil. C'est votre lampe et votre huile. And you need the Holy Spirit. Et vous avez besoin that du Saint-Esprit. The only thing c'est la seule chose that will help you qui va this t'aider pendant moment ce temps difficile. Oh, praise the Lord. Oh, loué soit the Dieu. Bible says, la Bible dit, and they took on the lamp, ils ont pris leur lampe, they start to go. Ils ont commencé à avancer. And the wise virgin, et les vierges they sages, knew where they were going. Elles savaient où est-ce qu'elles but avançaient. Now the foolish, mais les folles, they realize, elles ont réalisé it's dark. C'est ténébreux. How can I see? Comment je peux voir? Where did you get your oil? Où est-ce que vous avez obtenu but votre huile? There was a time to get oil. Il y avait un temps pour chercher d'huile. But you were doing something mais else. Vous vous étiez occupé à autre chose. Now at this time, maintenant, à ce we cannot share the Holy nous Ghost. Ne pouvons pas partager notre Saint-Esprit. My Holy Ghost, mon Saint-Esprit, I can't share with je you. Ne peux pas le partager because avec we toi. All had time to look for parce que nous avions tous le temps de chercher. But at this time, en ce moment-ci, go find those who are selling it. Va trouver ceux qui la vendent. Go find those who are selling the Holy Ghost. Va trouver ceux qui vendent le those Saint-Esprit. Who are still preaching the Holy ceux Ghost. Qui continuent à prêcher because sur le Saint-Esprit. Because there's time where the stores are closed. Parce qu'il y a un temps où les magasins se the ferment. The stores won't stay open for les magasins ne seront pas ouvertes 24 heures sur 24. If you did not take time to get it, si vous n'avez pas le temps de prendre, the stores are closed. Les magasins seront fermés. They told them, on leur a dit, we don't have enough to share. Nous n'avons pas assez pour partager. But go rather allez plutôt to them that sell, à ceux qui les vendent and buy for yourself. Et achetez pour vous-même. I can't take you to go buy it. Je ne peux pas vous amener go pour aller acheter. Buy it for yourself. Allez acheter pour vous-même. And the Bible says, et la Bible dit, while they went, pendant qu'elle partait, the bridegroom came. L'époux arriva. Amen. He was not waiting for them. Il ne les attendait pas. The rapture won't wait for you. L'enlèvement ne va pas t'attendre. Sometimes, parfois, I used to say, j'avais l'habitude de well, dire, may the rapture wait so that I can get married. Et que l'enlèvement attende un peu afin que je puisse me marier. Praise the Lord, I got married. Oh, que Dieu soit loué, je me suis marié avant cela. Unfortunately, mais malheureusement, some will not get married. Certaines personnes ne vont pas se marier avant God l'enlèvement. God won't wait for you to get married. Dieu ne va pas vous attendre afin que vous puissiez vous marier. Some won't. Certaines personnes because ne le feront we don't pas. Know the time. Parce que nous ne connaissons pas le temps. As they went, et pendant the qu'ils allaient, came, l'époux arriva. And they that were ready, celles qui étaient prêtes, went in with him to the marriage, entrèrent avec lui dans la salle and des noces. The door was shut. Et la porte fut fermée. We preach that the doors are open. Nous prêchons que les portes sont ouvertes. But we don't really know for sure. Mais nous ne savons même pas sur certains. The prophet says, le prophète dit, we are living in a borrow time. Nous vivons un temps d'emprunt. Time is overdue. Le temps est déjà dépassé. Overdue. Déjà dépassé. We are living in a borrowed time. Nous vivons dans un temps d'emprunt. Yes, he told us. Il nous a dit. Noah went into the ark. Noé est entré dans l'arche. Time was overdue. Le temps était déjà dépassé. God gave 7 more days. Dieu a donné plus de 7 autres jours. To extend his mercy. Jusque pour prolonger sa miséricorde. But in that 7 days, mais pendant ces 7 jours, none was saved. Personne n'était sauvé. None. Personne. This is dangerous, hein? C'est dangereux, hein? None was saved. Personne n'était sauvé. God show mercy. Dieu demande sa miséricorde. Nobody received the personne mercy. Personne ne reçoit la miséricorde. And the door was shut. Et les portes étaient fermées. Amen. 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 But he says, mais il dit, verse 13, verset 13. And sorry, and afterward also came the other virgin. Après cela vinrent aussi d'autres vierges. We don't know if they found oil or not. Nous savons pas c'est que si elles avaient trouvé de l'huile ou pas. Maybe they did, I peut-être, don't know. Peut-être oui, mais je ne sais pas. But they came. Elles sont venues quand saying, même. Saying, Lord, Lord, open to us. Disait Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. But he answered and said. Mais il répondit. Verily I say unto you. Je vous l'ai dit en vérité. I know you not. Je ne vous connais pas. I don't know who you are. Je connais pas qui vous êtes. This is strange. Ça c'est étrange. They were all together 10. Elles étaient toutes ensemble. But des 10. Only 5 were known of God. Mais seulement 5 étaient connus du Seigneur. And the other 5, he didn't know them. Mais les autres 5, l'Éternel ne le connaissait pas. Brother Branham says. Branham dit. When you receive the Holy Ghost. Quand vous recevez le Saint-Esprit. That's when God recognizes you. C'est là que Dieu vous reconnaît. It's like he put his stamp on you. C'est comme s'il mettait son cachet sur vous. Now you are recognized. Maintenant, vous pouvez être reconnu. Amen.
Amen. You are in the system. Vous êtes dans le système, dans le fichier. Without the Holy Spirit, sans le Saint-Esprit, it's difficult for God to use you. C'est difficile pour que Dieu vous utilise. I don't know you. Je ne te connais pas. And he says, il dit, watch therefore. Ainsi veillez. For you know neither the day nor the hour. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Where the Son of Man cometh. Quand le Fils de l'homme viendra. Jesus says, Jésus dit, watch therefore. Veillez donc. Because this situation, parce que cette situation will be exactly the same, sera exactement when la même the Son of Man cometh. Quand le Fils de l'homme viendra. You don't know the day, vous ne connaissez ni le jour or the hour. Ni l'heure. And to watch, et veiller, he says, be attentive. C'est être attentif. Amen. Be attentive. Être attentif. Observe. Observer. What is going on around? Qu'est-ce qui se passe tout autour? Be cautious. Soyez consciencieux. Because you don't know when it's coming. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il vient. Be prudent. Soyez prudent. In this time. Dans ces temps-ci. You don't know when it's coming. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il vient. You don't know the day. Vous ne savez pas le jour. You don't know the hour. Vous ne savez pas l'heure. But I need to be cautious. Mais j'aimerais être prudent. I need to be prudent. J'aimerais être prudent. I need to keep my eye on the promise. Je dois regarder mes yeux sur la promesse. You know, the prophet vous savez, told le prophète us, nous a dit, and the history confirms et l'histoire le confirme, Jesus gave a prophecy of the people, of the believer. Jésus a donné la prophétie du peuple ou du croyant. When he says, quand il a dit, in Matthew 24, dans Matthieu 24, pray that your flight be not in the winter. Priez que votre départ ne soit pas pendant l'hiver on the Sabbath day, ou pendant le jour du sabbat. For then shall be great tribulation, puisqu'il y aura une grande tribulation such as was not since the beginning of the world, comme il n'a jamais eu depuis le début du commencement du monde except jusqu'à présent. Those days be shortened, et si ces jours n'étaient pas abrégés, there should no flesh be saved. Personne ne serait sauvé. But for the elect's sake, mais à cause des élus, those days shall be shortened. Ces jours seront abrégés. This is Jesus telling the believers. Voici Jésus qui parle aux croyants. If those days are not shortened, si ces jours ne sont pas abrégés, Laodicean age, l'âge de l'Odyssée, the shortest age of all the ages, l'âge le plus court de tous les âges, if it's not shortened, s'ils ne sont pas abrégés, nobody will be saved. Personne ne serait sauvé. Because parce que there will be great tribulation. Il y aurait une grande tribulation. Such was not since the beginning. Comme s'il n'a jamais eu depuis le commencement du monde. The level of temptation. Le niveau de la tentation. Will be so great. Sera tellement grande. It will be difficult for the believer to be an overcomer. Difficile pour le croyant d'être vainqueur. But mais for the elect's sake. Mais à cause des élus. God will shorten the days. Dieu va abréger le jour. For you to be saved. Pour que vous soyez sauvés. Amen. Amen. This is pretty difficult. C'est très difficile. Jesus gave the prophecy. Jésus a donné la prophétie. He says, pray. Il dit priez. That your flight. Que votre départ. Does not happen in the winter. N'arrive pas pendant l'hiver. He was talking about the Roman army coming to take over Jerusalem. Il parlait de soldats de l'armée romaine qui venaient prendre Jérusalem. Jesus gave the prophecy in AD 30. Jésus a around donné. That time. Jésus a donné la prophétie en 830. Non, non, non. 30. De 30, l'an 30. And the prophecy was fulfilled. Et la prophétie était accomplie. In AD 70. Et en 870. Non, non, non. AD. Avant Christ. 70. Oh, ok. Dans l'an 70. It took 40 years. Et ça a pris 70 ans. For the prophecy to be fulfilled. Pour que la promesse puisse s'accomplir. No, 40 years. 40 ans. The believers, les croyants, who heard Jesus give the prophecy, qui ont entendu la prophétie, they were cautious. Ils étaient conscients. They were prudent. Ils étaient prudents. They didn't know when they will come. Ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils viendraient. But they paid attention. Mais ils ont prié et prêté attention. They were waiting. Ils attendaient. That's why you read the book of I think it's let me just find that quickly. I think it's Titus or James. Je crois dans le livre de Tite ou Jacques. Where he's talking about
giving diligence to fight for the faith that was once delivered to the saints. Il dit, you know where that is, Pastor? Jude. All right. The book of Jude. Dans le livre de Jude. There was things that was happening. Il y a des choses qui arrivaient. Jude preached his message. Jude a prêché son message. In AD 66. En 66. You understand? Vous comprenez? Jesus gave the prophecy in AD 30. Jésus a donné sa prophétie en l'an 30. According to history, selon l'histoire, the prophecy was fulfilled in AD 70. Et la prophétie était accomplie à l'an 70. Now in AD 66. Alors en l'an 66. While they were waiting for the prophecy to be fulfilled. Pendant qu'ils attendaient que la prophétie s'accomplisse. Brother Jude is talking to the believer. Le frère Jude parle aux croyants. Jude, the servant of Jesus Christ. Jude, le serviteur de Jésus-Christ. And brother of James to them that are sanctified. Et frère de Jacques à ceux qui se sont sanctifiés. By God the Father and preserved in Jesus Christ. En Dieu le Père est gardé pour Jésus-Christ. Mercy unto you. Que la paix soit avec vous. And peace and love be multiplied. Et la paix et la charité vous soient multipliées. Beloved. Croyant, when I gave all diligence to write unto you, bien-aimé, comme je désire vivement vous écrire, of the common salvation, au sujet de notre salut commun, it was needful for me to write unto you, je me suis senti obligé de le faire, and exhort you, afin de vous exhorter, that you should earnestly contend, à combattre, for the faith which was once delivered to the saints, pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Brother Jude realized. Vrai, Jude a réalisé. Some of the believers start to drop down. Certains croyants commençaient à laisser tomber, they abandonner. They start to become lazy. Ils ont commencé à devenir paresseux. This is we were within the fulfillment of the prophecy. Ceci était pendant l'accomplissement de la prophétie. He says, I'm exhorting you, brother. Il dit, je vous exhorte, frère. I'm exhorting you. Je vous exhorte, frère. You should earnestly contend. Que vous devez combattre ardemment pour la foi. Jesus gave the prophecy. Jésus a donné la prophétie. Don't get tired. Ne vous fatiguez pas. We are getting near nous the nous approchons de l'accomplissement. The rapture is getting closer. L'enlèvement est juste à côté. Don't get tired, ne my vous friend. Fatiguez pas, mes this amis. Is the time to rise up. C'est le temps de s'élever. Keep fighting. Continuez à vous battre. Keep fighting. Continuez à vous battre. Look at what he says here. Regardez ce qu'il a écrit ici. Contend for the faith that was once delivered to the saints. Combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. For there are certain men creeping unaware. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Who were before of all ordained to this condemnation. Dans la condamnation est écrite depuis longtemps. Ungodly men. Des impies. Turning the grace of God into lasciviousness. Qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. And denying the only Lord God. Et qui renie notre seul maître. And our Lord Jesus Christ. Et Seigneur Jésus Christ. Look at what he's telling the believers. Regarde ce qu'ils disent aux croyants. Certain people. Il y a certaines personnes. Who have crept in among us. Qui se sont glissées parmi the nous. The foolish virgins. Ils étaient vierges folles. They are among us. Elles sont parmi nous. They are also trying to go with us. Elles essaient aussi de partir avec like nous. Like the mixed multitude. Comme une multitude mélangée. That walk with Israel. Qui était sortie avec Israël. That mixed multitude. Cette multitude mélangée. They were Egyptians. Ils étaient des Égyptiens. Who also liked Moses. Qui aussi aimait Moïse. The Egyptians, les Égyptiens or other nations, ou d'autres nations who also saw, qui aussi avaient vu that the vision Moses had, que la vision que Moïse avait was good, était bonne. But mais, they were not ordained, mais elles n'étaient pas prédestinées à aller dans la terre promise. So they followed the crowd. Ils ont juste suivi they la foule. The group. Ils ont suivi le groupe. They also crossed the Red Sea. Ils ont aussi traversé la mer Rouge. But mais because à cause they creeping among the believers, puisqu'ils se sont glissés parmi le croyant, with no purpose to get to the promised land, sans but d'arriver à la terre promise, they were the one causing trouble. Ils étaient ceux-là qui causaient des problèmes. Moses also. Moïse aussi. Look at Moses. Regardez Moïse. Since we start eating, depuis que nous avons commencé à manger la manne. Manna. Since we started manna. Depuis que nous avons commencé la manne. Il n'y a pas d'autre chose. They start complaining. Ils ont commencé à se and plaindre. And the true believer. Et les véritables croyants. Also start to get influenced. Ont commencé aussi à être influencés. By those people. Par ces gens-là. And once they were influenced. Et une fois qu'ils étaient influencés. They caused more damage. Ça a causé beaucoup de dégâts.
That's what we're doing tonight. C'est ce que nous faisons ce just soir. To exhort you, brothers and sisters. Frères et sœurs. We are getting closer nous to, nous the, to the end of the road. À la fin de la route. Don't be foolish. Ne soyez pas des fous. Watch therefore. Veillez alors. Be vigilant. Soyez vigilant. Be attentive. Soyez attentif. Watch out. Keep your eyes garde. Open. Gardez vos because yeux ouverts. In the time that you are not expecting, parce qu'au moment où vous n'attendez pas the cela, rapture will take place. L'enlèvement va arriver. That's what the prophet called voilà it. Voilà pourquoi le prophète t'appelle. Le départ soudain, sudden departure of le départ soudain et secret de l'épouse. You won't pray for that to happen. Vous n'allez pas prier pour que cela arrive. No. You won't be praying, Lord. Vous n'allez pas prier au Seigneur. No, Lord, let the rapture take place. Que l'enlèvement arrive. It will find you in the condition that you are. Ça va vous trouver dans la condition dans laquelle and vous vous if trouvez. You are not ready si then, vous n'êtes pas prêt à ce moment-là, in that sudden departure, dans ce départ soudain, you won't be able to make vous it. Ne serez pas en mesure d'y it arriver. Will be a surprise ça sera to many people une surprise pour plusieurs personnes. That they did not make it. Qui ne vont pas y arriver. And it will be also a surprise. Et ça sera aussi une surprise. That you made it by His grace. Que vous êtes arrivé par sa once grâce. You open your eyes. Une fois que vous ouvrez vos for yeux. For the first 5 minutes in heaven. Pour les 5 premières minutes au ciel. You realize vous I réalisez, made it. Je suis arrivé. I arrived. Je suis arrivé. I start to see the saints. Je commence à voir les saints. I start to see the other believers. Je commence à voir d'autres croyants. You will dance forever, friends. Vous allez alors pour toujours. If you've never danced in your life. Si vous n'avez jamais dansé you dans votre vie. Dance for a thousand years. Vous allez danser pour des milliers d'années. Ça sera eternity. Pour la joie pour l'éternité. All that I've done in my tout ce que j'ai fait dans ma vie, I've given it to the Lord. Je l'ai donné au and Seigneur. This is the reward voilà ma récompense of all that I've done de for tout the ce Lord. Que j'ai fait pour le Seigneur. But those that won't make it, et ceux qui ne vont pas y arriver, it's gonna be tough. Ça sera difficile. Very tough. Très difficile. I don't really know what will take je ne sais pas ce qui va vraiment arriver. I don't want to imagine what will take je place. Ne veux même pas imaginer but ce qui va arriver. Matthew 25, mais si vous lisez Matthieu 25, Jesus gives us a window Jésus nous donne une petite fenêtre of what will take place. De ce qui va arriver. Amen. Amen. It's going to be very complicated. Ça sera très compliqué. The prophet says, le prophète dit, God keeps his word. Dieu garde sa parole. He says, now, il dit maintenant, you can quote me. Vous pouvez me citer ici. Because I know it's going on tape. Parce que cela est enregistré. The coming of the Lord la venue du Seigneur is way past due. Est déjà dépassée. I believe it. Je crois. I believe it was due long time ago. Je crois que c'était censé arriver il y a de cela des années. But it's because the church is not ready to meet him. Mais c'est parce que l'église n'est pas prête pour le rencontrer. That's the reason I say. C'est la raison pour laquelle j'ai dit. If the church does not get herself ready. Si l'église ne s'apprête pas. That's your duty to get ready. C'est votre travail de vous apprêter. The bride has made her self ready. L'épouse s'est apprêtée elle-même. The garment is paid for. Oh, le vêtement a déjà été payé. I compare this to a wedding. Oh, c'est comme dans un mariage. When the wedding takes place, quand le mariage arrive, the husband, le mari, provide for the robe. Pourvoit la robe. And gives it to the wife. Et donne à la femme. The husband, et le mari, he's somewhere. Et quelque part. And the wife, et la femme, is somewhere else. Et quelque part d'autre. The husband, le mari, knows in his mind, connaît dans sa pensée, that at this season of our lives, et à cette saison de nos vies, the wife, la femme, she's getting ready. Elle s'apprête. There is no doubt about it. Il y a aucune doute she's à ce sujet. Getting ready. Elle s'apprête déjà. And I'm also getting ready. Et moi aussi, here. Je m'apprête de ce côté-ci. The bridegroom. Alors le poux. Does not call the bride. N'appelle pas l'épouse. Please oh, put s'il your te plaît. Dress on. Tu peux t'habiller. Please put your shoes maintenant, on. Maintenant, tu peux mettre tes chaussures. Please be ready. Oh, s'il te plaît, sois that's prête. That's fearful. Ça, c'est vraiment c'est ça craint. That means. Ça veut dire. This husband. Ce mari. Does not understand that my wife is foolish. Ne comprend pas que ma femme est folle. She's foolish. Elle est déjà folle. Because she does not understand. Parce qu'elle ne comprend in pas. In this season of our lives. En ce temps-ci de notre vie. She has to make herself ready. Elle doit déjà s'apprêter. Nobody has to push her. Personne doit la pousser. Because when we meet at church. Parce que quand nous venons à l'église. I will see perfection. Je veux voir la perfection. Amen. Amen. So that's what the prophet says. Voilà, c'est ce que le prophète dit. The bride, it's your duty. Le pousse votre travail. To get ready. De s'apprêter. It's not God's duty. Ce n'est pas le travail de God Dieu. God provided the robe. Dieu a déjà pourvu He la robe. He provided the word. Il a pourvu à He la parole. He provided the Holy Spirit. Il a pourvu au Saint-Esprit. Now you make yourself maintenant, ready. Maintenant, apprêtez-vous.
In the midst of the sudden secret going away of the dans church. Dans le message de départ soudain de l'épouse. Some people say. Certaines personnes well, disent. Well, I go to church on Sunday morning. Je vais à l'église le dimanche matin. I listen to our pastor. J'écoute un pasteur. Which is fine, is a fine preacher. Qui est un bon prédicateur. That's good. C'est bien. I appreciate that. I'll appreciate that in you. J'apprécie cela en vous. He says, but. Mais il dit mais. It takes more than a good message from the pulpit. Ça prend plus qu'un bon sujet de la chair. It takes your life. Ça demande, exige votre it vie. It takes you to get ready. Ça exige que vous puissiez vous apprêter. In Revelation chapter 19. Dans l'Apocalypse chapitre 19. And verse 7. Verset 7. The Bible says. La Bible dit. Speaking of the bride of Christ. Parlant de l'épouse de Jésus-Christ. She made herself ready. Elle s'est apprêtée elle-même. She made herself ready. Elle s'est apprêtée elle-même. And you. Et vous, as a member of this bride, comme l'épouse, membre de cette épouse, you've got to make yourself ready. Vous devez vous préparer. You got to make yourself ready. Vous devez vous apprêter. What it takes to get ready? Qu'est-ce qu'il demande, exige pour s'apprêter? Consecration. La consécration. Reading of the word. Lire la lecture de la parole. Going to church. Allant à l'église. Love divine. Et l'amour divin. You need to study what should I do to make myself ready. Vous devez étudier qu'est-ce que je dois faire pour m'apprêter. In the message, no, it's not. Dans le message, vous ne connaissez, tu ne sais pas. Let's think of Laodicean church age and its condition today. Pensons à l'âge de l'église de Laodicée, sa condition aujourd'hui. As far as I know. Aussi loin que je sais. I don't see anything to hinder. Je ne vois rien qui peut empêcher. At this time, en ce moment-ci, the coming of the Lord, la venue du Seigneur, outside of the readiness of the church, en dehors du fait que l'épouse n'est pas prête, there's nothing else. Oh, il y a rien. So now, when we think that the time is overdue, alors quand nous pensons que le temps est dépassé, in the time of Noah, en le temps de Noé. The 7 days. Le 10 jours, les 7 jours. Nobody was saved. Personne n'était sauvé. I wonder what's going on today. Je me demande qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. I wonder. Je me demande. That's why you see. Et voilà pourquoi vous voyez parmi nous. People are backsliding. Les gens rétrogradent. Coming to church is not important. Venir à l'église n'est plus important. Choosing a pastor is not important. Choisir un pasteur n'est plus important. The prophet says, le prophète dit. A Christian must have a home church. Un chrétien doit avoir une église. Qu'il appelle sa maison, ce n'est plus important. Loving one another, s'aimer les uns les autres, it's not important. Ce n'est plus important. So it looks like the believer, il paraît que les croyants are living, vivent their life, leur vie, for themselves, pour eux-mêmes. Nothing to get ready. Il y a rien pour s'apprêter. There is no enthusiasm. Il y a plus d'enthousiasme. Nothing. Il y a rien. There is nothing to drive you to pray. Il y a plus quelque chose qui vous pousse à prier. There is nothing to tell you I must love. Il y a plus quelque chose qui vous dit que je I dois must aimer. Forgive. Je dois pardonner. There is nothing. Il y a rien. Everything we talk about. Tout ce dont nous parlons. Is hatred. C'est la haine. Jobs. Le travail. Money. L'argent. Becoming big. Devenir un gros, une having grande personne. Having 3, 4, 5 jobs. D'avoir 5, 4, 6 travaux. Yeah, it's good to have 3 jobs. C'est bien d'avoir beaucoup but de boulot. But how about your soul? Mais qu'en est-il de votre âme? We don't care. Ça nous importe peu. When are you going to get ready? Quand est-ce que vous allez vous apprêter? When we get on the other side. Quand nous allons traverser de l'autre côté. Your qualification. Votre qualification. Is not your education. Ce n'est pas votre éducation. It's not how many diplomas you got. Ce n'est pas combien de diplômes vous avez obtenu. Money you have in combien d'enfants que vous avez, combien d'argent que vous avez dans votre it's compte. It's not how much you have fulfilled in this earth. Combien vous avez accompli how dans much ce monde. Home you bought. Combien de choses que vous how avez achetées. Combien de voitures vous avez. None of that will be required. Rien de cela vous the ira exigé. Qualification. La seule exigence, divine love, c'est l'amour divin. And divine love, et l'amour divin, comes by the Holy Ghost, vient par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Without the Holy Ghost, sans le Saint-Esprit, nothing happens. Rien n'arrive. Amen. Amen. That's what the believer today. C'est ce que le croyant aujourd'hui. We must watch out. Nous devons veiller. Let me finish with this. Laissez-moi finir avec ceci. Jesus gave another parable. Jésus a donné notre parabole. In Luke chapter 8. Dans Luc chapitre 8. He says, a sower went out to sow seeds. And he sowed. And as he sowed, some fell on the wayside. And it was trodden down, and the fowl of the air devoured it. And some fell on the rock. And as soon as it was sprung up, it withered away
because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprung up. With it and choked it. And other fell on good ground and sprung up and bear fruit and hundredfold. And when he had said these things, he cried, he that has ears to hear, let him hear. Quand il dit ces choses, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jesus preached. Jésus a prêché. Everybody heard it. Et tout le monde a entendu. But not everybody understood. Mais ce n'était pas que tout le monde avait compris. Then the Bible says. Et la Bible dit. And his disciples asked him, saying. Et ses disciples lui demandèrent, disant. What might this parable be? Ce que signifiait cette parabole? So everybody heard the sermon. Alors tout le monde a écouté la prédication. But a group of people. Mais juste un groupe de gens. Because they were concerned. Parce qu'elles étaient concernées. They follow. Ils ont suivi. For more understanding. Pour bien comprendre. We all come to church. Nous venons tous à l'église. Did you understand? Avez-vous compris? Well, yeah. Bien, oui. What did you understand? Qu'est-ce que tu as compris? Well, he preached for a long time. Il a prêché pour beaucoup de temps. That's not an understanding. Ça, ce n'est pas une compréhension. But there are some. Il y a certaines personnes. They can't sleep. Ils ne peuvent pas dormir. God, you got to give me more. Seigneur, tu dois plus me donner. I want to dig deep. Je vais creuser profondément. Because this is my life. Parce que ceci est ma vie. I want to understand. Je dois comprendre. Pasteur. The preacher said this and that. Le prédicateur a dit ceci, cela. I didn't grasp it correctly. Je n'ai pas bien compris. Can you please expand more? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'expliquer and davantage? He will expand more. Et il va te l'expliquer. But today, mais aujourd'hui, we don't call. Nous n'appelons pas. For more understanding. Pour plus de compréhension. We think we did understand. Nous pensions que nous comprenons. True understanding. La meilleure compréhension. Is manifested in your lifestyle. C'est manifeste dans votre manière de vivre. That's the understanding. C'est ça la compréhension. So look here. Alors regardez ici. Then he said verse 10. Il dit maintenant dans verset 10. And he said. Il répondit. Unto you is given to know the mystery of the kingdom. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. But to others. Mais pour les autres. In parable. Cela leur est dit en parabole. That seeing they might not see. En fait, qu'en voyant ils ne voient point. And hearing they might not understand. Et qu'en entendant ils ne comprennent point. Now the parable is this. Voici ce que signifie cette parabole. Now Jesus took time. Maintenant Jésus a pris son temps. For more explanation. Pour plus d'explications. Because they were concerned. Parce qu'ils étaient concernés. They were seeking help. Parce qu'ils cherchaient de l'aide. We want help. Nous voulons être aidés. But we don't seek help. Mais nous ne cherchons pas à être aidés. No. Non. It won't happen. Ça n'arrivera so pas. So now look at what Jesus said. Regardez ce que Jésus disait. And remember he said. Et rappelez-vous qu'il a dit. A sower went to sow seed. Un semeur est allé semer la semence. So it looks like there was this man. Il paraît qu'il y avait un de cet he homme had many seeds. Qui avait plusieurs semences. And he started to throw seeds. Et il a commencé à jeter des semences. Some fell on the wayside. Certaines semences sont tombées so sur le bord like de la route. Throw stuff. C'est comme si elle jetait des semences. Some went on the wayside. Oh, l'autre est tombé sur la bord some de la route. Some on the rock. Some sur, certains sur le some rocher. Some on the thorns. Certaines sur some on the good les ground. Épines. L'autre sur un bon so terrain. So it was one action. Alors c'était une action. But it went to four different directions. Mais qui ont pris quatre directions. Amen. Amen. Jesus now is explaining. Maintenant Jésus explique. The seed is the word. La semence, c'est la parole. Like I'm preaching. Pendant que je parle maintenant. I'm throwing seed. Je jette des semences. And your heart. Et votre cœur. Is the ground. C'est la terre. And now we have four different grounds. Et maintenant nous avons quatre terres différentes. That are receiving the seed at the same time. Qui reçoivent la semence au même moment. Jesus said. Jésus dit. Those by the wayside. Ceux qui sont le long du chemin. Are they that hear the word? Ce sont ceux qui entendent la parole. You know when I read this, vous savez really, quand j'ai lu ceci. It really broke my heart. Ça a vraiment brisé mon cœur. Jesus said. Jésus dit. He's saying the heart called wayside. Il y a le cœur qui a appelé le long du chemin. It's someone that hears the word. C'est quelqu'un qui écoute la parole. Then cometh the devil. Et le diable, puis le diable vient. And taketh away the word out of their hearts. Et enlève de leur cœur la parole. Lest they should
to believe and be saved. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. In the church, dans l'église, as you are sitting there, pendant que vous êtes assis, the word is given, la parole to you, vous est donnée. But the devil, mais le diable, the word, il voit la parole. And as soon as he sees it, une fois qu'il le voit, he comes to you. Il vient vers toi. Oh, oh, the pastor, le pasteur, is talking to you. Te parle toi. How can you say that? Comment il peut dire des choses comme ça? You can't believe this. Toi, tu ne peux pas croire ça. He's talking to you. Il te parle à toi. He's exposing you. Il t'expose comme ça. Oh, really? Oh, vraiment? Yes. Oui. Who's talking to you? Qui te parle? While you are sitting there. Pendant que tu es assis là. The enemy. C'est l'ennemi. He saw the word. Il a vu la parole. He knows that there is a power in the word. Il sait qu'il y a la puissance dans la parole. To save you. Pour te sauver. But for you not to be saved. Mais pour que tu ne sois pas sauvé. He grabs that word. Il vient et saute cette parole. And put it out. Et le retire de toi. The rocky ground. Là où c'est rocheté, il y a des rochers. The rock, or the one that fall on the rock. Et la parole qui est tombée parmi les rochers. They on the rock. Ceux qui sont sur les rochers. Are le rock, they which when they hear the word. Ce sont ceux lorsqu'ils entendent la parole. Receive the word with joy. La reçoivent avec joie. Hallelujah. Hallelujah. Many times when they preach about the mysteries. Puis parfois quand on prêche concernant les mystères. People are jumping. Les gens sautent. Running from the aisle. Les gens se courent dans and les allées. Receiving it with joy. Ils reçoivent avec joie. And these have no roots. Mais ils n'ont point de racines. Think about it. Pensez-y. They preach mysteries. On prêche des mystères. You don't even understand what it is. Vous ne comprenez même pas c'est quoi. You don't know. Vous ne savez pas. But because it comes with stimulation. Mais puisque ça vient avec une stimulation. You get overjoyed. Oh, vous vous emportez dans la joie. Branham, Branham, oh, Branham. Oh, Branham, frère Branham. The coming of the Lord. La venue du Seigneur. What is the coming of the Lord? C'est quoi la venue du Seigneur? No roots. Pas des racines. He says. Il dit. Which for a while. Et pas avec joie, mais pour après un temps. Which for a while believe. Il croit pour un temps. And in time of temptation, fall away. Et au moment de la tentation, il succombe. This is a believer. C'est le croyant. He a church. À l'église. He was happy. Il était heureux. Jumping up and down. Il sautait, courait. Everything is good. Tout allait bien. But their faith. Mais leur foi. Their belief. Leur croix. Only lasts 24 hours. N'a duré que 24 heures. When he goes to work, et quand il va au travail, a woman starts looking at une him. Femme commence à les regarder. Everything he received, tout ce qu'il avait reçu can't work, ne peut plus marcher. Because there is no roots. Parce qu'il n'y a pas de racine. Because the roots, parce que la racine help the tree to be stable. Aide la racine et l'arbre d'être stable. A tree without roots, un arbre sans racines, a little bit of wind, un peu de vent qui souffle, ça tombe. That's those type of believers. C'est ce genre de croyants. He was a church. Il était à l'église. He didn't pay attention. Il n'a pas tiré attention. Yes, 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 I oh, believe, oui, I believe. Oui, 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 je crois. A little bit of temptation. Juste une petite tentation. Pshh, il tombe. He's gone. Il est parti. And Jesus continued to Jésus say, continue et dit, and they which fell among thorns, ceux qui est tombé parmi les épines, are they, ce sont ceux, which when they have heard, qui ayant entendu la parole, go forth, s'en vont, and are choked with cares and riches and pleasures of life, et la laisse étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, and bring no fruit to perfection, ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. You receive the word. Vous recevez la parole. Everything is good. Tout va bien. But the cares of life. Mais les soucis de la vie. The love of riches. L'amour des richesses. There's people that love riches. Il y a des gens qui aiment la richesse. They love material. Ils aiment des choses les matérielles. Brother Branham says. Brother Branham dit. In Thyatira Church Ages. Dans l'âge de l'église de Thyatira. I want to give a warning right here. J'aimerais donner un avertissement ici. It says concerning the last days. Il dit concernant les derniers jours. Because of the abounding of iniquity. À cause de l'iniquité qui va abonder. The love of many shall wax cold. L'amour du plus grand nombre se refroidira. In Laodicea. Dans l'âge de Laodicée. Last age. Le dernier âge. Self-love. L'amour propre.
and love for material things, l'amour pour les choses matérielles, will take the place of the true love of God. Prendra la place du véritable amour de Dieu. Those are the things that will choke the word of God. Ce sont des choses qui vont étouffer la parole de Dieu dans votre cœur. You love material. Vous aimez des choses matérielles. It's a spirit. C'est un esprit. Everything about you, tout ce qui vous concerne, money, c'est de l'argent, c'est and des richesses. So many information out there. Il y a beaucoup d'informations là dehors. Rich daddy or whatever, there is somewhere there. Someone was telling me. Un père riche, quelqu'un me disait. You know, today, vous savez, aujourd'hui, you can read a book, vous pouvez lire un livre. A millionaire within a year. Vous pouvez devenir un millionnaire seulement and dans une année. So many opportunities out there. Il y a beaucoup d'opportunités là dehors. Croyants are taking all these opportunities, prennent toutes ces opportunités to become rich, pour devenir riche. But you don't realize, mais vous ne réalisez pas, the care of this life, les soucis de cette vie, and riches, et les richesses, and pleasure of et life, les plaisirs de la vie. Now that I got money, maintenant que j'ai l'argent, I can fly the world. Je peux parcourir le monde. Je peux aller nager là-bas. On Bahamas, je peux aller à Bahamas quelque part. Go to whatever. Je peux aller dans I un beach. Go anywhere. Je peux aller un peu partout. I don't have to pray about it. Je n'ai même pas besoin because de prier à ce sujet. There. Parce que j'ai l'argent. All of these pleasures, tous ces plaisirs, are choking the word, étouffent la parole. Amen. And you become unproductive. Et vous devenez improductif. You start to realize, vous commencez à réaliser. A month can go by. Un mois peut passer comme you ça. Didn't read the word. Vous n'avez même pas lu la parole. You didn't pray. Vous n'avez même pas prié. What happened? Qu'est-ce qui est arrivé? Your soul, votre âme, is suffering. Souffre. Your soul is suffering. Votre âme souffre. I'm not feeding. Parce que je ne suis pas nourri. I'm not feeding on anything. Je ne suis pas nourri de quoi que ce soit. And et it becomes unproductive. Et ça devient improductif. That it says and bring no fruit to perfection. Et ça n'amène pas le fruit à la maturité. Jesus God told Abraham. Dieu a dit à Abraham. Walk before me. Marche devant moi. And be et sois donc parfait. He was not telling Abraham to be perfect in the flesh. Il ne disait pas à Abraham d'être parfait dans la chair. That word perfect, il marchait parfaitement, means mature. Ça veut dire être mature. Walk before marche me, devant moi. Be mature. Et sois mature. Realize who you are. Réalise qui tu es. Your position. Votre position. Why I called you. Pourquoi for. Je t'ai appelé. And Jesus finished. Jésus finit. He says, they dit, which fell among those fell on the good ground. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, are they which in an honest and good heart. Ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Having heard the word, ayant entendu la parole, kept it, la retiennent, and bring forth fruit with patience. Et porte du fruit avec patience ou persévérance. In the same church, dans la même église, same word, la même parole, 4 results, 4 résultats. That's why you see in a church sometimes. Voilà pourquoi vous voyez dans l'église parfois. You need to be patient. Vous devez être patient. You need to be patient. Vous devez être patient avec les because gens. Because one in a church. Parce que quelqu'un dans l'église. Does not understand to be, what is to be ready. Qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il faut pour être prêt. Good ground. Une bonne terre. When they receive the word, quand ils reçoivent la parole, they keep it. Ils le gardent. I need to keep. Je dois garder la the parole. Victory. La victoire. I need to keep. Je dois garder love. L'amour. I need to keep. Je dois garder patience. La patience. I need to keep. Je dois garder going to church. Le fait d'aller I need à l'église. To protect. Je dois protéger. Otherwise, autrement, it will go. Ça va partir. And when you keep it, et quand vous gardez, then you see the fruit. Alors vous voyez le fruit coming forward. Qui sortent. Amen. Amen. That was my little exhortation. C'était for you tonight, ma petite exhortation pour morning, vous ce matin. The year we have 12 months coming. L'année nous avons 12 mois qui arrivent. We don't know what's happening. Nous savons pas ce qui va arriver. This year here. Cette année ici has brought us to be like the Ephesian church. Nous a amené à l'égalité avec l'âge de l'église d'Éphèse. 117 years. 117 ans. Since 1906. Depuis 1906. 117 years. 117 ans. But remember the prophet says. Mais rappelez-vous le prophète a dit. Laodicean age. L'âge de l'église de Laodicée. Will be the shortest. Sera le plus court. Yes sir. Amen. The shortest. Le plus court. So how short is it? Mais comment alors ça sera court? Are we overdue?
Alors, nous avons dépassé déjà. Is the door still open? Est-ce les portes sont toujours ouvertes? I don't know. Je ne sais pas. I hope it is open. J'espère vraiment que c'est encore ouverte. But mais the prophet says, le prophète dit, the door will be closed. Les portes seront fermées. We will keep coming to church. Nous allons continuer à venir à l'église. We'll sing songs. Nous allons chanter des cantiques. But the door will already close. Mais les portes étaient déjà fermées. May God have mercy. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. In a message, when he preached, dans le message the quand il a prêché, les âmes qui sont en prison. The prophet was praying. Le prophète priait. He says, God, I have children. Il dit, Dieu, j'ai encore des enfants. That means salvation. Qui ont besoin du salut. Have mercy. Sois miséricordieux. Have mercy. Sois miséricordieux. Amen. We need the God. We need God's grace. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Brother, frère, I want to say like Jude said. Je vais dire comme Jude a dit. He says, I write unto you. Je vous écris, frère. I exhort you. Je vous exhorte. You should earnestly contend for the faith. Que vous devez combattre ardemment pour la foi. 2022, we lost many believers. Nous avons perdu plusieurs croyants. Many people, beaucoup de gens, that were among us, qui étaient parmi nous, backslid, ont rétrogradé, went back to the world. Ils sont rentrés dans le monde. It's painful. Ça fait du mal. We are getting closer, mais pendant que nous nous rapprochons, more will fall. Plusieurs vont continuer à tomber. By God's grace, mais par la grâce de Dieu, I don't want to be counted among those that are fallen. Je ne veux pas être compté parmi ceux-là qui rétrogradent. Je vais continuer à me battre. And please keep fighting. Et s'il vous plaît, continuez à vous battre. You fighting in America. Vous combattez ici en Amérique. We are fighting in Africa. Nous combattons en Afrique. And the rapture will be universal. Et l'enlèvement sera universel. You fight here. Vous combattez ici. We fight there. Nous combattons là-bas. And one day by his et un jour par sa grâce, together we ensemble shall meet nous nous rencontrerons de l'autre côté. And the Bible et says, la Bible dit, those who will be overcomers, ceux le vainqueur, the overcomers, ceux qui vaincront, will sit in on his throne, s'asseyront dans son trône. We shall meet on his throne. Nous allons nous rencontrer dans son trône. Brother, frère, we made it. Nous sommes arrivés. That's what the Bible says. C'est vrai, pourquoi la Bible dit. When we shall meet him, quand nous allons le voir, there will be tears coming off. Il y aura des larmes qui couleront de nos joues. We cry. Nous pleurerons. We look back. Nous regarderons en arrière. Maybe some of the believers of other ages. Peut-être certains croyants d'autres âges. They will ask you. Ils vont vous demander. How did you make it? Comment tu es arrivé? How did you make it? Comment vous vous êtes arrivé? With smartphones. Avec vos téléphones. How did you make it? Comment vous y êtes arrivé? We did not have it. Nous ne l'avions pas. It was tough. C'était difficile. In Ephesian age. À l'âge de l'Éphèse. Smyrna age. L'âge de Smyrne. All these ages. Tous ces it âges. It was difficult. C'était difficile. They were killing people physically. Ils tuaient les gens physiquement. Read the story. Lisez l'histoire. How they would open a pregnant woman. Comment on pouvait ouvrir une femme grosse enceinte. And take the baby et out. Et faire ressortir if l'enfant. You don't reject the message. Si vous ne rejetez pas le message. It was tough. C'était difficile. But today, mais aujourd'hui, that same devil, ce même diable, who démon, was killing physically, qui tuait physiquement, is now killing spiritually. Tue maintenant spirituellement. And this is worse. Et c'est pire. Worse. Pire. With your telephone, avec vos téléphones, you are dead. Vous êtes mort. Cold and formal. Vous êtes froid et formaliste. Back then, là-bas, jadis, you have to go. Somewhere vous devez aller quelque part to see nakedness. Pour voir la nudité. You have to go to a specific place. Vous devez aller dans un endroit spécifique. But today, mais aujourd'hui, you see it vous le regardez whenever you want. Partout où vous voulez. Whenever you want. Partout où vous voulez voir. Sin have been multiplied. Le péché a été multiplié. But by the grace of God, mais par la grâce de Dieu, we will make it. Nous allons y arriver. So are you promising? Est-ce que vous promettez that by God's grace, que par la grâce de Dieu, I will fight. Je vais combattre. I will keep going. Je vais continuer à combattre. I know I'm weak. Je sais que je suis faible. I know I have many problems. J'ai beaucoup de problèmes. I know. I je sais. I got no strength within myself. Je n'ai pas de force en moi-même. But I trust him. Mais je fais confiance en lui. Who knows December 2023? C'est lui qui connaît déjà décembre 2023. He knows what will take place. Il connaît déjà ce qui va arriver. He will guide us. Il va me conduire. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. May this year be prosperous for you. Que cette année soit une année prospère. If we don't meet on this, si nous ne rencontrons pas de ce côté, again, sur cette terre, we'll meet you on the other side. Nous allons vous rencontrer de l'autre côté. Amen. Amen.
I have this song I would like to sing. J'ai ce cantique que j'aimerais chanter. You know that song? Connaissez ce chant? Pass me not, O gentle Savior. Ne me passez pas, O gentil Sauveur. Pass me not. Ne m'oublie pas, O doux Sauveur. Hear my humble cry. Écoute mon humble cri. Pass me not. Let us stand. O gentle Savior. Pass me by.
last prayer before we dismiss. Nous allons prononcer la dernière prière avant de nous disperser. And I want you to pray for Brother Obed and his ministry and his family. Je veux que vous priez pour Frère Obed, pour son ministère ainsi que sa famille. And to remember also your loved one. Et vous rappelez aussi de vos bien-aimés. The love, the way it was spoken regarding Joseph. Et de la manière dont l'amour a été parlé à propos de Joseph. Think about your unsaved ones. Pensez à ceux-là que vous aimez qui ne sont pas encore sauvés. Maybe mommy, daddy. Peut-être papa, maman. Children. Les enfants. Neighbor. Les voisins. Somebody in the church. Quelqu'un dans l'église. Somebody who left the church. Quelqu'un qui a quitté l'église. Somebody who did backslide. Quelqu'un qui a rétrogradé. The love of God. L'amour de Dieu. In Joseph. En Joseph. Reaching out. Et qui est entré à la recherche. We have a lot of teenagers. Nous avons beaucoup d'adolescents. Lot of young people. Beaucoup de jeunes gens. Taken by the pressure of the world. Ils sont pris par la pression de ce monde. They want to serve God. Ils veulent servir Dieu. They want to be Christian. Ils veulent être chrétiens. But the pressure is too hard. Et la pression est très forte. As we gather in this watch service. Alors que nous sommes rassemblés à ce réveillon. Starting this new year. Commençant cette nouvelle année. To walk with Christ. Pour marcher avec Christ. Let us pray. Prions tous ensemble. Claiming all the loved ones. Clamant nos bien-aimés. Friends. Les amis. Etc. Etc. One more, the chorus, Lord. Savior. Savior. On earth as thou art Lord.
Father, Mathieu, to dismiss us. Mathieu peut nous disperser. For this door 2023 qui nous a été ouverte, that has been opened to us, alors que nous entrons, as we entering in, entre aussi avec nous, Seigneur, enter as well with us. Commence avec nous cette année en tant qu'Alpha. Start with us this year as Alpha. Achemine avec nous, and go along with us. Et termine avec nous comme and Omega. End with us as Omega. Dieu bien-aimé, oh beloved God. Si nous pouvons voir, if we can see, et compter, and count, ce que tu as fait pour nous l'année passée, what you have done for us the past year, nous manquons quoi à te donner, Seigneur Jésus-Christ. We lack to give you something. Mais reçois seulement nos remerciements. But receive just our thanksgiving, parce que tu le mérites. Because you deserve it. Au nom de Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus. Dieu bien-aimé, oh beloved God, tu nous as épargné des accidents, you spare us from accident, des maladies, from sickness, toutes sortes de choses, all kinds of things, dans le monde physique, in the physical world, et dans le monde des esprits, in the spiritual world. L'accomplissement de ta parole, the fulfillment of your word, nous a été présenté, has been presented to us, comme la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent, as the Bible says, the angel of the Lord camp around du danger, those that fear the Lord, réellement, nous avons escape them from danger, par cet ange-là. We have been protected by this angel, et Dieu de grâce, and God of grace. Sois miséricordieux envers nous. Be merciful to us. Ce que on n'a pas pu things, faire. Things that we couldn't do. Pour ta gloire. For your glory. Pendant 2022. During 2022. Nos négligences, nos faiblesses, negligence, nos manquements. Our weaknesses, our trespasses. Nos erreurs de plusieurs manières. Our mistakes in every ways. Prends tout cela. Take them. Jette cela dans la mer de l'oubli. And cast them away in the sea of forgiveness. Et viens, tiens-nous par ta main. And take us by the hand. Afin que cette année, so that in this year, que nous puissions faire le meilleur par ta grâce. We may do the best for your grace. L'homme lui-même ne saura rien faire. A man himself cannot do anything. Mais avec toi, but nous allons faire you, de grandes choses. We do exploit. Dieu bien-aimé, oh mighty God, bénis ton serviteur Obed. Bless thy servant Obed. Pour tous les sacrifices conjugués d'une manière ou d'une autre, that he has made one way or another, porter la parole, bringing us the word, cela n'était pas facile, Seigneur, that wasn't easy, Lord, avec toutes sortes d'armes braquées dans le monde des ténèbres, for all the weapons against him from the darkness world, mais par ta grâce, by your grace, Satan a été vaincu, the devil has been defeated, c'est la raison pour laquelle, that's the reason why, nous te remercions, we Seigneur. Thank you. La mission a été accomplie. The mission, Seigneur, has been fulfilled. Nous pouvons voir les résultats, Seigneur. We can see the result. Les témoignages d'une manière ou d'une autre. Testimonies from one way or another. Oh Dieu tout-puissant. Oh mighty God. Bénis sa chère épouse. Bless his beloved wife. Ses enfants, son ministère, une fois de plus. His children and his ministry once more. Et bénis aussi notre pasteur, also bless our pastor, sa chère épouse, ses enfants, his dear wife and his children. Bénis tous les membres de cette église, bless Seigneur, all the members of this church, ceux qui prient les uns pour les autres, those that are praying for one another, faisant quelque chose les uns pour les doing autres, something for one another. Oh Dieu tout-puissant, oh mighty God, récompense-les pour cela, reward them for that. Souviens-toi de ceux-là qui soutiennent cette we église. Remember those that are supporting this church. Que toi-même, Dieu tout-puissant, you yourself, Almighty tu puisses God, les récompenser au may retour. You reward them as well. Merci Seigneur Jésus-Christ, oh, pour ta grâce. Thank you, Lord Jesus, for your grace. Merci pour ta miséricorde. Thank you for your mercy. Merci pour ta protection. Thank you for your protection. Reçois l'honneur. Receive the honor. La puissance. The power. La majesté. The majesty. Au siècle des siècles. Forevermore. Accompagne maintenant tes enfants. Now go along with your children. Ils étaient dans ta maison. They were in your house.
pour parler avec toi, to fellowship with you, t'adorer, to worship you, t'exalter, te louer, to exalt you, to worship you. Père, Father, c'est beaucoup de choses. These are a lot of things. Parce qu'il y en a assez là. Because there are those. À ce moment, ils ont passé. In this time, they spent it. L'air réveillant dans des boîtes de nuit. The overnight. Dans des bars. In a nightclub. Mais tu as vu le sacrifice de tes enfants. But you see the sacrifice of your children. Au demi avec le sommeil sur les bancs. With being sleeping on the pews. Forcé. But they did the sacrifice. Pour recevoir la parole. To receive the word. Et pour t'adorer, Seigneur. And to worship you, Lord. Si les hommes de ce monde, if men of this world, ils reçoivent l'adoration venant des hommes, they can receive worship from a man, et les hommes là les récompensent, and they reward them. À combien plus forte raison toi qui as créé le ciel et la terre, you the one who created heaven and earth, à cause de cela récompense les au nom de Jésus-Christ, the name of the Lord Jesus. Ceux qui étaient dans leur maison, things that were n'ont in the pas house, pu venir ici d'une manière ou d'une autre, those that couldn't make it one for one way or another, let the same blessing aussi sur be as well Jésus-Christ. With them. Maintenant, nous proclamons la bénédiction pour cette Now année 2023. We proclaim the blessing for this year la 2023. Bonne santé, good health, la prospérité, prosperity, la grâce, grace. Oh Dieu bien-aimé, oh mighty God, que cela soit notre partage. Let que it be our Satan share. Let the devil soit sous les plantes de nos pieds. Be under the sole of our feet. Une bonne décision, let the good decision soit prise dans notre be taken in our hearts. Pour te servir, to serve you. Pour te donner le meilleur, to give you our best, et le meilleur que nous pouvons te donner, and the best that we can give, ce sont nos vies, Seigneur. It's our lives. Et par ta grâce, and by your grace, nous allons vivre, we will live, plus jamais comme auparavant, never than before. Nous allons mener une vie propre, we will live a clean life. Nous allons témoigner, we testify, dans nos travails, our work, aux écoles, at school. Nous allons témoigner que nous we sommes des véritables that we are true Christians. Dieu bien-aimé, oh beloved God, encore une fois de plus, once more, tout ce que nous avons manqué, everything that we lacked, en 2022, in 2022, que cette année 2023, let this year 2023, que cela nous soit restauré, let it be restored, par la puissance de ta parole, by the power of your word. Nous t'aimons, we love you, nous t'apprécions, we appreciate you, nous aimons ce message, we love this message, nous aimons le prophète, we love the prophet of et God. Maintenant, and now, Father God, help us à s'aimer les uns les autres, to love you à one s'apprécier another, to appreciate one another, parce que c'est le commandement, because de this Dieu. Is the commandment of God. Oh Dieu bien-aimé, oh beloved God, je manque de mots à te dire. I have not enough word to tell mais you. Mais je viens auprès de toi comme cet enfant là qui ne savait pas comment prier. But I'm coming like a little child didn't know how to pray. Il a dit prends l'alphabet. He said just take the alphabet. Compose tous les mots que and tu just voudras. Make the word that you want for you. Et Seigneur Dieu bien-aimé, and oh Almighty God, toi qui connais les besoins you know des enfants, you know the needs of your children, accorde-les, grant them, au nom de Jésus Christ, in the name of the Lord Jesus. Ceux qui sont entrés cette année malades, those that are entered this year sick, Dieu bien-aimé, dès ce moment, oh beloved God, from this time, qu'ils soient guéris, let them nom be healed in the name of the Lord Jesus. Satan, toi qui a lié les enfants de Dieu, you the one who binds the children of God, délie-les au nom de Jésus-Christ. Loose them in the name of the Lord Jesus. Ceux qui ont passé cette année dans des those hôpitaux, those spent this year in the hospitals, qu'ils retrouvent leur bonne santé au let nom them de recover Jésus-Christ. The good health in the name of the Lord Jesus. Seigneur, ceux qui ont passé cette année dans those des that spent prisons, this year in prison, d'une manière ou d'une autre, from one way or another, au nom de Jésus-Christ, in the name of the Lord Jesus, liberté, let them recover the freedom, physique comme spirituel, physical and spiritual, au nom de Jésus-Christ, in the name of the Lord Jesus, Père, Father, ceux qui réclament, those that are claiming, les salis de ceux-là dont ils ont aimé, the salvation of their beloved ones, qu'ils les retrouvent dans cette année, let au them nom recover de Jésus-Christ, them in the name of the Lord Jesus. Dieu bien-aimé, beloved God, accompagne tes enfants. Go with your children. Au nom de Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus. Parce que tu avais dit dans ta because parole, you said in your word, tout ce que vous allez demander everything en prière that you mon shall nom, ask in praying my name, accompli. You shall see them being fulfilled. Nous avons demandé cela. We ask this. Au nom de Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus le créateur Christ. De ciel de the la creator terre, of heaven et que and cela earth. Soit ainsi. Let it be so. Amen. Amen. May God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous. Bless the musician for bless keeping up all night. Pour avoir travaillé toute la nuit. Interpreters. Les interprètes.
Those in the technology, sound. Ceux-là qui sont la sonorisation, la technologie. Song leaders. Les conducteurs des chants. And each one of you. Et chacun de vous. May God give you your deepest heart desire for 2023. Que Dieu vous donne les désirs profonds de votre cœur dans cette année 2023. Drive safe. Conduisez prudemment. And there will be no service this Sunday morning. Il n'y aura pas un service dimanche matin. You see somebody coming Sunday morning, that means he belongs somewhere else. Si vous voyez quelqu'un venir le dimanche matin, ça veut dire qu'il appartient à quelque part d'autre. God bless you. Que Dieu vous bénisse. We see each other, God willing, on Wednesday. Nous allons nous voir, Dieu voulant, le mercredi. Shalom. Shalom. Finish the communion. If brother, you can pass the bread, you get some bread, and for those who do. Goûter au ciel, dire combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi, Dieu des hommes, et bétail des champs, pour louer les carimés, combien il est bon.
Seigneur.